Ce programme vous est offert par Bavaria. Faire sortir de terre et rénover plusieurs complexes et stades au pays des lions indomptables a toujours été un défi, mais les entretenir et les rentabiliser est désormais un énorme challenge. La mise sur pied de l'Office national des infrastructures et équipements sportifs est certainement une solution, mais l'organisme créé par le chef de l'État peut rapidement devenir source de mille problèmes. Si les règles de jeu ne sont pas respectées, les bruits de bottes et de casseroles ne sont pas loin. Le peuple et les sportifs ont un seul vœu, celui de vivre les compétitions sur du gazon vert et des gradins garnis. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 5, acte 64 de votre magazine. Kick-off, une nouvelle édition dans la région de l'Ouest pour mettre en lumière le foot et l'athlétisme. Comme d'hab, démarrons par le sommaire. Au sommaire de cette édition, le foot et le cross-country au festival Le Cap Mehou. Une semaine de spectacle, de communion et d'éclosion de talents. Un œil sur les Témois. Une famille folle de tennis. Parents et enfants passent des journées entières sur les cours et rêvent tous de carrières auréolées de trophées. Le doyen Edmond Enoka dévoile les clichés atypiques du championnat camerounais des années de gloire. Les décennies 70 et 80 passées au scanner en mode vintage. Le Smash s'habille en one et les fans sont tous all sport. Kick-off, la très haute définition du sport camerounais. Est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protex Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et buuuu. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène. Nous sommes à Chang, dans le département de la Ménois, plus précisément à Fokwe. C'est pour le départ d'un cross-country, une course de 15 km en l'honneur d'un digne fils de la localité. De par sa qualité, de par ses œuvres, il a été pour nous
une grande élite. Et aujourd'hui, nous avons pensé qu'il fallait honorer sa mémoire en commençant ce marathon à Photomena au nom de Domo Lewat pour honorer sa mémoire. C'est un monsieur qui a cheminé auprès du président Célestin Tawamba et qui a beaucoup contribué à faire aujourd'hui du groupe Cadis un acteur majeur de l'agroalimentaire au Cameroun et dans la sous-région Afrique centrale. Donc c'est avec une très grande joie auprès des autres collaborateurs que nous accompagnons cette mémoire en fait. J'aime pas, non, je suis bien précis, mais je fais le sport pour la santé d'abord. Pour la santé, bon, s'il faut voir autre chose, ça vient après. Ils sont fans de l'athlétisme et de l'effort. Voici la rubrique « Fans de sport ». Salut, je suis Temwa Blanche, chef d'entreprise. Mon sport préféré, c'est le football. It's Carvajal's cross, Rodrigo, oh, extraordinary! Parce que j'ai plein de souvenirs pour le football, étant enfant et jusqu'à présent. Je me rappelle de la Coupe du Monde 90, Cameroun-Argentine, quand Oman Biyik a marqué le but contre l'Argentine par la tête. Mon sportif préféré, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, great feat. Cristiano Ronaldo, that is stunning. Parce que j'ai aimé Cristiano Ronaldo quand il était au Real. Je me rappelle en Champions League contre la Juventus Turin, où il est parti, ils ont marqué 3 buts. Et il était l'auteur, je crois, de ces 3 buts. Et depuis ce jour, je me suis beaucoup attaché à lui. Mon équipe préférée, c'est mon équipe nationale du Cameroun. Parce que le Cameroun nous a fait vibrer, m'a fait vibrer. Beaucoup plus avec Samuel Eto'o-Fils, Roger Mila, Belle Joseph Antoine, Thomas Nkono, Kalan Kongo et Jeanne Keke. Merci Kitoff et à bientôt. L'essentiel n'est pas seulement d'arriver premier, l'essentiel c'est d'avoir participé, l'essentiel c'est d'avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie. Je dis merci, merci à Canal 2, merci à monsieur Mao que nous ne voyons que dans des sur les plateaux. Merci beaucoup d'avoir foulé le sol de Photomena et de Bamou. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon départ. L'itinéraire du marathon nous a permis de communier avec nos frères et sœurs du village, de tous les autres de arrondissements, les différents groupements de l'arrondissement et même du département de la Maine-et-Loire qui sont venus nombreux prendre part à ce marathon. Donc nous témoignons juste notre gratitude et notre reconnaissance à ce grand homme qui s'en est allé. Kick-off.
Au cœur du festival Le Cacmeou, évidemment, toujours dans la mémoire, après le cross country, place au foot, la finale du tournoi entre Menla FC et Zembwa, deux équipes de la localité. Le score pour l'instant, c'est 0-0. On laisse le foot, on parle un peu de tennis, d'une famille folle de la petite balle jaune. C'est du côté de Douala, la famille Temgwa passe des journées entières à frapper des balles sur les courts. L'œil du champion, un document exclusif. Kick-off. Au collège, j'ai fait le volleyball, ce qui fait donc qu'on a cet amour déjà pour le sport depuis très longtemps. Je dois bosser dur, jamais abandonner et je dois pousser, même si c'est dur, je dois pousser au bout. Son coup de doigt, son revers, son déplacement, et c'est vraiment c'est correct. Parce que c'est pas facile pour des parents de laisser leur enfant partir très tôt et de les lancer, on va dire, dans la nature. On te place. Allez, on bouge. 1, 2, allez. 2, c'est match. 1. La petite Gloria frappe les balles de toutes ses forces et sous les consignes de son entraîneur. Allez, 2. Allez, en avant, devant. Allez, bien joué, on se place. Revers. 1. Allez, la balle. Tout près du cours, son papa multiplie les mots d'encouragement. Tu contrôles bien tes balles. Voilà. Tu fléchis pour jouer. Gloria, ou la cadette d'une fratrie de trois. Un jour, je m'appelle Temgwa Gloria. J'ai 9 ans et je joue au tennis depuis l'âge de 3 ans. Bravo, encore. Allez. Les épaules, tout le... Voilà, tout complètement l'épaule vers l'avant. Allez. Mes parents, ils m'apportent beaucoup de choses. Ils me donnent des conseils très efficaces. Oh là là, Gloria, tape ceci, fais pas chasser, tout ça. Bon, et c'est comme ça. Bouge, allez, revers, 2, allez, attaque, vers l'avant. On se place, on bouge, allez, 1, prends la batte, bouge. C'est une fille qui est battante et qui aime le travail et qui va me sortir beaucoup de belles choses. Et même en dehors d'ici, hors du Cameroun, elle peut vraiment jouer un bon niveau. Oh, bravo, allez, viens me taper la main, allez, c'est bien joué. Ah, bien joué, c'est bien. La famille Temgwa, c'est aussi le jeune Jeff. Salut, moi c'est Temgwa Jefferson. Je joue au tennis depuis, ça fait disons 9 ans que je joue au tennis. Et voilà, on mesure pour viser plus haut chaque jour. Et le tennis c'est ma vie, quoi. C'est une passion pour moi. Je joue au tennis pendant 5 heures, 6 heures par jour. Ça dépend. Bon, là, on est en saison pluvieuse, il pleut. Mais là, on fait tout pour jouer au minimum 4 heures par jour. Le tennis, une seconde vie. Et la vedette pour le moment, c'est le fils aîné. Salut, moi, je suis Temgwa. Je joue au tennis depuis que j'ai 9 ans. Et maintenant, je suis logé aux États-Unis où je m'entraîne et je fais mes études. Je suis à West Palm Beach, en Floride. Ça fait exactement 6 mois. Et maintenant, demain, vous allez faire des gammes. Je suis parti du Cameroun à l'âge de 11 ans. 11 ans exactement, 10 ans et demi. Je suis allé au Togo, centre de formation au Togo. Je suis resté un an et demi. Ensuite, j'ai voyagé en France pour une tournée, faire des tournois. Ensuite, j'ai été repéré. Du coup, j'ai pu m'entraîner en France pendant exactement 6 ans. Et maintenant, je suis à l'université américaine, à Kaiser University, en Floride. My main dream is to become a professional tennis player. That's what I want to be, and that's what I'm probably going to be if I go in the same way.
au tennis club de Douala, Bertrand Temgwa est surnommé le Bill. Je vais au boulot le matin, ma pause 12h, 14h, je suis sur le court de tennis, je m'entraîne. En soirée, je continue avec le tennis. Quand j'ai fini le boulot, je reviens de 18h30 jusqu'à, ça va dépendre maintenant, jusqu'à 20h. Je suis sur le court de tennis, donc par jour, j'ai au moins 4 heures de tennis. Des semaines entières à frapper les balles, le dimanche à bronzer sur les cours. Dimanche, tout ce qu'on a à faire à la maison, c'est prendre un bon petit déjeuner. Toute la famille sort, on arrive au club, on mange tennis, on boit tennis, on joue tennis et on se fatigue. On rentre, s'il y a un peu de réchauffé, on mange, si on peut passer au restaurant, on passe. Vraiment, c'est dimanche, c'est tennis, il n'y a rien d'autre. Plus grand rêve, ça, c'est de les voir. Voir Gloria remporter un Wimbledon, US Open, Roland Garros. Voir Hubert remporter Wimbledon, Roland Garros, Open d'Australie. Voir Jeff faire pareil. Donc, c'est vrai que c'est un peu osé, mais on ne sait jamais. Kick-off. C'est toute la population du groupement qui s'est donné rendez-vous ici pour cette finale. 0-0 au terme des 90 minutes. On va passer par la fatidique épreuve des tirs au but. Mais avant, parlons du championnat local. Les années 70 et 80, les conditions difficiles, les salaires parfois modestes, mais surtout la passion débordante des supporters. Les belles années de notre championnat local, racontées par le doyen Amod Vinté. Il y avait trop de supporters dans toutes les équipes. Dans Dynamo, on s'entraînait au stade Mbappé-Lépé. Et le stade était plein tous les midis. À l'époque, ce n'était pas les journées continues comme aujourd'hui. C'était on travaillait jusqu'à midi et on reprenait à 14h30. Donc les gens partaient de leur travail. À midi, dès qu'ils sont sortis du travail, ils avaient oublié même qu'il fallait peut-être manger un bout avant de repartir et venir au stade. Il s'asseyait là, il regardait les entraînements jusqu'à la fin. Dès que les entraînements sont finis, il rentre au travail. Tous les jours, et c'était plein. Dans Union, la même chose. Tous les soirs, parce qu'on s'entraînait dans Union de 17h à 18h30. C'est-à-dire que vous allez voir les gars qui ont joué avant, travaillaient tous. La plupart de ces gars travaillaient. Il y avait des gars qui jouaient, qui travaillaient à la SNEC, parce que le corpo, on les recrutait à travers le football corporatif. Il y a des gens qui étaient à la BAO, il y a des gens qui étaient à Sachéry, il y avait des gens dans plus que toutes les sociétés, beaucoup de sociétés de l'époque. Les coulés ont travaillé à Bata. Moi, j'ai travaillé à la BAO.
non seulement ça, au marché central, on avait des supporters, des membres qui avaient leur boutique. Ça faisait que chaque fois qu'on avait joué un match dimanche, dès qu'on l'avait gagné, lundi tu partais au marché central, tu rentrais avec peut-être 3 ou 4 pantalons, 3 ou 4 chemises, 2 paires de chaussures. Et c'est ça qui motivait les gars. Tu savais que si tu gagnes le match dimanche, lundi, ta panderie sera pleine. Kick-off. Ce soir au village, Minla Football Club s'impose après tir au but et le champagne va certainement couler à flot ce soir. Kick-off. Nous avons vécu un moment intense de sport, mais également un moment de mobilisation autour de nos valeurs de fraternité. Vivement que ce genre d'expérience et d'événements se répètent, afin qu'une fois de plus, on puisse faire éclore les talents cachés qui sont dans Bamro. Notre but était de mettre en lumière cet arrondissement et ce groupement en particulier, à travers toutes les richesses qui dont ils disposent. Donc, le choix était stratégique et nous avons jugé bon d'accompagner les jeunes talents, de les aider à améliorer la qualité de la visibilité sur leurs projets artistiques, culturels, sportifs. C'est dans une ambiance de fête qu'on clôture cette édition de Kick-Off dans la mémoire. L'acte 64, fin du match, comme d'habitude. Prenez soin de vous. À bientôt. L'équipe Tiof défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoir de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches étapes. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protéslip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Et des gens Tiof. Face au grand détergent Tiof, toutes les tâches prennent la fuite et bien. Tiof garde son titre de champion de l'hygiène.
Ce programme vous a été offert par Bavaria.